Le 41e millénaire. Être un homme de cette époque, c'est être un individu noyé dans la multitude. C'est vivre sous le régime le plus cruel et le plus sanglant que l'on puisse imaginer. Voici l'histoire de cette époque. C'est un univers sinistre et terrible dans lequel vous pouvez pénétrer si vous l'osez, mais dans lequel vous ne pourrez trouver aucun réconfort. Oubliez le pouvoir de la science et de la technologie. Abandonnez tout espoir. Car dans les ténèbres de ce futur cauchemardesque, il n'y a que la guerre. Année 547 du 39e millénaire. Une vague prend pour cible la planète Iridia, vomissant des milliers d'orques sur les grandes usines de ce monde de travailleurs accomplis. Les détachements de la garde impériale en garnison sur la planète se redéploient sur des positions stratégiques, afin de tenter de ralentir les peaux vertes en attendant les renforts. Le 8e peloton du 1er Cadia a pour mission d'escorter un artilleur vers la ville la plus proche, afin de remettre en marche un canon de défense planétaire, un outil vital pour lutter contre les vaisseaux Xenos stationnés en orbite. La fumée devant. Ouais. Le brun, tu vois-tu quelque chose en particulier ou la pluie? Non, mais j'ai pas de thermique, c'est là. Attends, mais. Par contre, si t'as une thermique, si tu veux, sur. De droite et de gauche. Plutôt de gauche. Et je vois rien, la thermique, si je veux aller sur la mitraille de droite. Je dirais des épaves de Lehman, ouais, peut-être c'est... Des transports de troupes plutôt, je crois. Transports de troupes? Ouais. Mais je vois pas de signaux thermiques indiquant la présence de. Avance doucement. Ok, merci. Ils ont explosé pas loin de la ville. Je sais pas s'il a pu les toucher d'ici, si c'est une passe d'un vaisseau orc ou autre chose. Ah non, c'est des Lehman ça, hein. Il y a une tourelle de Lehman sur le côté. Ah ouais, c'est des Lehman, ouais. Deux Lehman fumés l'un derrière l'autre. C'est intelligent pour tendre des embuscades quand même. Ah non, c'est con, un orc. Sûrement un coup de chance. J'ai roulé sur un truc. Je suis coincé sur un truc. Ah. Alors. À droite. Ouais. Oula. Orc. Regarde. Il faut un truc de descendre. À partir, vous pouvez descendre. Je suis sur le bolter lord de droite. J'ai aucune vision, hein, donc vous me dites.
qui sont principalement sur la colline. Putain, on devrait avoir les buts. Ah! Bon, sur la colline de droite, où puis les marins sont. Vous voulez que je me rende, vous êtes bon? Oh, t'es bien là. Ça bouge sur l'avant. Saloperie de peau verte. Ouais. Sur la route. Au canon, là-bas. Ça marche. Oh yeah. Bien joué. Ils ont débarqué. Ils demandent à l'infanterie s'ils peuvent monter sur la hauteur pour attaquer oui. les orques. Oui. Vous avez l'autorisation de monter sur la hauteur? Ça tire derrière nous, non? C'est sur la droite, on l'a cogné. Nice. Je me rends ou je reste là? Les bulletins théoriquement sont capables de se rendre, puis la troisième piste aussi. De toute façon, on verra rien vu que c'est. C'est vraiment haut. Moi, je peux voir des trucs avec le canon, j'évite de tirer, mais ça n'a pas beaucoup de munitions. Du coup, c'est notre infanterie qui engage à droite là? Ouais. Ok. Ouais. Gauche et allié, droite qui en avait aussi. Par contre, c'est le moteur qui fait ce bruit là. Ouais, c'est. Oui, il y a un petit ronronnement très doux à mes oreilles. Je voulais que j'avance un peu au niveau de la carcasse de l'autre véhicule, histoire d'avoir un visuel sur après le virage. Allez, c'est parti. Pense un peu. Tu demanderas à l'infanterie s'ils sont en contact pour eux. Infanterie, si blindée, est-ce que vous avez encore les contacts? Infanterie, si blindée, est-ce que vous avez toujours les contacts? Bien reçu. Ils ont plus de contacts, ils sont prêts à embarquer à nous suivre. Très bien. Vous pouvez reprendre la marche, nous suivre. Je vais mettre en stand-by sur la hauteur là. Ah bah dis donc, la ville a bien souffert déjà. Ouais. Mais... En fait c'est une carcasse... Je fais pas de dîner. Hey, d'une roche. Au niveau du REC de l'entrée, c'est pas grand chose. Sinon, on doit être là.
on est à peu près là, ça, ça doit être ça, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Et qu'il me reste ça à faire. Ouais, ça. En vrai, je sais pas comment je vais faire en char, moi. S'il y a des débris dans les rues, je passerai jamais. De toute façon, les débris... Ils sont prêts à repartir. Ok, bah, tu peux reprendre la manche. Tu veux que j'aille lentement ou rapidement? Moyen. Moyen? Ok, c'est parti. En précaution, étant donné qu'on arrive quand même à des places... Et qu'on est proche de la zone, il pourrait très bien nous attendre à l'air de la roche. Même si on sent ce bec côté. Ok, trop pour accélérer. On se rapproche de l'entrée principale, donc je déconseille l'accélération. Oui, ok. Ok, entrée en visuel devant. Vous voyez rien pour l'instant? Non. Bon, j'ai ralenti un peu la cadence, par prudence. Plusieurs. On considère donc que la ville a été conquise, je suppose. Ouais, elle était conquise. Ouais, ils avaient dit peut-être, mais bon. J'ai bien l'impression. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour passer, moi. Je peux passer en faisant un virage sur la porte. Bah, je vais écraser le doigt. Tu dois écraser le cadavre. Non, ça ira. Ça, j'ai une bonne vue, je pense. On doit rentrer débarquer ou... Franchement, comme tu dis, urbain, c'est mieux. Mais le problème, c'est qu'ils ont toujours les ingénieurs avec eux. Ils vont devoir le porter, enfin, ils vont devoir le traîner à l'avant. Ouais, bah, c'est un peu le problème. Bah, ils ont un médecin à casson chargé, comme s'ils ne battra pas. Ouais. Alors, du coup, alors... Qui débarque, qui traîne l'ingénieur avec eux. Infanterie, vous débarquez, vous prenez l'ingénieur et vous nous suivez à pied. T'as entendu? Ouais. Ils disent que c'est trop risqué pour l'ingénieur et qu'il y a de moins. Le problème, c'est qu'on peut pas le laisser tout seul. Négatif, on peut pas le laisser tout seul. Négatif, on peut pas. Il veut pour rentrer. Il disait, on peut le mettre dans le char, mais on peut pas, j'ai 7, il n'y a pas de place de passage. C'est ça. Prévenez-nous quand vous êtes en ordre de marche. Il y a un aigle impérial. Ouais, c'est la porte. Il
Par contre, il faudra pas trop qu'ils me collent la fenêtre parce qu'à mon avis, je vais devoir manœuvrer des débris. Ça serait dommage que je me retrouve écrasé un camarade. Tu gardes une distance de sécurité, tu fais un message au commandement disant que théoriquement, on devrait rencontrer une infanterie à l'entrée de la ville, me semble. Ouais. Enfin, c'est plutôt faire jonction au centre de la ville. Ouais, faut faire jonction au centre de la ville. On était censé établir un point de contact à l'entrée sud, mais s'ils sont tous morts, ça veut dire qu'il n'y a plus personne en ville, donc. Je prie encore le moment qu'on est arrivé à l'entrée de la ville et qu'on a rencontré aucun allié. C'est ça. Et qu'on va actuellement rentrer en ville. QG, ici, 8ème compagnie. Nous sommes à l'entrée de la ville et nous n'avons rencontré aucun allié. Nous allons actuellement procéder à. On va dire, on va rentrer en ville. 8ème compagnie terminée. Bon. J'y vais ? Ouais. Ok, c'est parti. J'y vais à 5 km/h si je peux. Ouais. Je suis à 6, c'est dommage, j'étais pas loin. Y'a des fenêtres partout et tout, faites super gaffe. Ouais, c'est ça qui m'embête. T'es à 3, sortez à gauche. Position défensive au bout de la route. Sur la droite par un russe détruit. Je vais pas pouvoir passer. Tu veux que je descende pour guider? Je suis coincé à gauche et à droite. Je vais descendre, ok. Ok. On va descendre par alors. Je descends. Ah, le bout de lui qui a rebondi sur la... sur l'avant. Le vrai, elle est toujours descendue. Ouais. T'as fait chier. Je vais essayer de bouger. Je vais bouger. Ah, voilà, il y a des orques devant. Ouais. Je te prends là de dessus, toi. Il y a du monde devant nous, en fait. Ouais. Il y en a aussi, c'est à droite. Il y en a deux juste devant, mais je sais pas si vous pouvez l'avoir au canon. Oh les amis, malheureusement. On est trop bas. J'ai tiré, c'est. Ah, c'est un AP, ouais. Si je m'angle un peu comme ça là, ça. Vous pouvez l'avoir avec le canon de gauche? Je monte dessus, attends. Je prends ça pour un oui. Voilà, c'est bon, vas-y. Ok. Bon, je vais essayer de manœuvrer maintenant. Fais attention, vu qu'ils sont tous pour sur la tête. Bah, y'en a encore un devant, sur la route. Ouais. J'ai réanglé le canon de gauche. Je vais redescendre, ok. Mais je t'entends pas. Ah, ok. Alors attends, je te ferai un signe de la main pour te dire si c'est bon ou pas. Bah, si je te vois. Ah, mais je vais me mettre assez loin. Ok.
C'est toi qui tire à gauche, Oribo? Ouais. Il n'y a plus rien avant? En avant, il... Une seconde, je sais pas si tu m'entends. Avance. Continue. Pense. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de passer là, moi. Voilà. Bon, c'est bon. Continue à fond. Vas-y. C'est bon, là, après t'as plus d'obstacles devant. Merci pour la barricade. Merci pour le guidage, parce que putain, pour avancer là-dedans, ouais. Merci quoi. Il y a encore un gars qui est planqué sur la droite. Ouais, je pourrais pas l'avoir. J'avance un peu si vous voulez. Ouais, on a pas le choix, faut se porter les planqués. Là, un peu trop vite. Ah oui, un orc juste devant, là, je le vois. Ah, c'est bon, il est mort. Ça fait fumer au laser. En fait, gaffe, j'ai popé à l'intersection là. Ouais. Et je m'arrête ici. Côté de gros, ça me l'arrête pas. Les pieds. Faut s'en tirer les pieds. Vous savez si l'infanterie, ils ont des pelles ou pas? Moi, j'en ai une au pire. Ah, bah vas-y, passe-la à moi, je vais aller. Y'a un connard, ça a l'air pas mal. Je sais pas s'ils l'ont eu. De toute façon, à mon avis, je vais descendre rapidos pour aller voir, vu que c'est quand même moi qui conduis, pour voir un peu ce que ça donne devant pour l'avancer. Bien reçu. T'as dit quoi, Blackheart? Je vais descendre pour aller voir un peu ce que ça donne devant pour avancer, okay, par la suite. Ouais, pas pour longtemps, je vous laisse avec les canons. Ok, de toute façon je suis un petit peu devant, en principe vous passez pas trop loin. Faites attention, on a un gars à nous là quelqu'un. Les arsenaux de la PA nous ont fourni des baïonnettes. Bon, vous avancez jusqu'au tas de la balle. Chef, j'ai pas de baïonnette moi. On va mettre un couteau dans ta ceinture. Attention, vous mettez les pieds. Et lui, il fourme que ça. Vous checkez le bâtiment là, les deux. Tango, tu chouffes à la MG là à l'entrée. T'aider à... Avec plaisir. Bâtiment clear. Ça ira plus vite à deux. Ouais. En gros ? Ouais. Viens te mettre là, surveiller ici là. On est en train de bouger des tas de merde avec nos mains. Si. On a des défenses alliées sur notre gauche après le croisement. Ah, au niveau du
En avisant. Quand vous... Ils ont un... On a des potes à l'avant gauche. Nitrune, t'es là? Allez go, Michael, pour l'empereur! Avance! Derrière, à gauche. Derrière, à droite. Ouais. Dans le presque au bout. Ouais. Il reste le truc gênant là. C'est bon. Bon, normalement, c'est censé être assez clair sur notre gauche. On a des alliés avec une position. Juste là au bord. Félicitations. Ouais. Ah, bah voilà, c'est déjà mieux. Bon, mais redescendez les bleus. Allez à l'entrée, je pense que vous avez en haut. Tu avances sur le bâtiment suivant. Et voilà, chef, on a dégagé le chemin. On laisse le temps à la fin, un truc prévu de regarder. Ils ont déjà avancé par rapport à l'enquête. Ok, on peut commencer à avancer. Ok, direction la rue. Centré, on va recommencer à avancer. On oblique vers la gauche, du coup, quand on sort, c'est ça? Ouais. Ok, c'est parti. J'ai préparé le bolter de bouffe. Bah, ça se peut que ça soit une position alliée. Position alliée, là, juste sur la gauche. Ça se peut que ça soit une position alliée. Ok. Ah oui, là, c'est des alliés. Je crois que t'es bloqué sur ta gauche. Bah j'avance pas plus parce que... De toute façon ouais. Les défenses devant. On a des fumigènes en face et notre position se fait... Ouais, y a les orques derrière. Ouais. Il balance plein de fumigène. Ouais, c'est étrange. On doit venir utiliser. Vous avez un bon visuel là avec les canons? Faut que je bouge un peu. Bah, comme qu'il y a de la fumigène, on voit qu'il y a dalle. Bah, non, mais même de façon globale. Gauche, j'ai un. Enfin, le bolter de gauche, je peux pas tirer. Mais attends, le bolter de droite, c'est un peu mieux. Attends, je vais faire. Je vais bouger un peu. De toute façon, les bolters ils sont assez bas par rapport aux barricades qui sont devant, donc c'est pas très intéressant en fait. C'est bien comme t'es. C'est bien comme je suis. En fait, si tu veux, vu à cause des barricades, les bolters ils voient pas grand chose, ils sont trop bas. Ok, bah je reste là alors. Moi je suis sur le canon de face. Ah, on doit aller où après, Rémi? Faut aller au centre, il y a des logiquement, faut oser qu'on. Va falloir faire le tour, je crois. Hein. C'est ça, nous, il va falloir qu'on fasse le tour. On peut commencer à le faire, hein. Il y a l'infanterie ici qui protège. Attends, orc. Devant. Non. Gauche de la smoke. Oula. C'est moi qui tire. Oh, j'ai vu partir en morceaux, les pauvres. Bon. Enfin, demi-tour, je préviens l'infanterie. De toute façon, on va voir qu'on fasse. A mon avis, on va falloir suivre les tracés qu'il y a sur la carte, ouais. Je crois. Va falloir monter là comme ça et probablement. Je pense pas, en fait, ça va débarquer d'alliés en fait. C'est ça. Si on monte jusqu'ici, on sera bloqué. Nous, ah ouais, ok, donc on passe l'axe ici, ouais, ok, d'accord. Ah. Après, on improvise. Ok. Bah c'est parti pour un demi-tour alors. Infanterie, on va faire demi-tour et on va reprendre la progression.
on va partir vers dans l'autre sens. Ça va, je crotte un peu. Reste à cette allure-là, question de sécurité. Ah ouais, t'as raison. De toute façon, on n'est pas pressé. Je tente l'oblique à gauche là du coup. Non, c'est mort. C'est mort à gauche. Il y a une Valkyrie qui bloque le chemin. Ok, bah tout droit alors. Ouais. Il y a des corps de nos camarades partout, c'est. Ça me brise le cœur. Avec les visuels sur des. Les visuels sur des barricades, il y a des balles orques qui partent devant. Il y a des tirs, ouais. Tu peux accélérer un peu, on va les supporter. C'est les avions. Ouais. Bon. Les gens qui balancent des fusées, c'est quoi ça? Annoncer qu'on arrive sur une position alliée qui est aussi attaquée par des orques. Du coup, je m'arrête là. Bon, tu peux encore avancer, je pense, pas, ouais. Là, c'est bien, sinon, poteau, ils vont me gêner. Je prie à l'infanterie de se mettre en position défensive. On va me le temps de régler le problème des orques en face, on arrive là-dessus. Infanterie, mettez-vous en position défensive. Il va y avoir des orques qui devraient arriver devant nous. Après on fait quoi? On peut obliquer à gauche pour suivre la route ou pas? Ouais, il y a l'air d'avoir une couverture. Ouais, ok. C'est possible. J'espère qu'elle est assez grande. Déjà à voir quand ce sera ce... quand ce sera calmé. T'as le feu de l'enfer en face. Ouais, puis moi je peux pas tirer. C'est l'infanterie qui va devoir le gérer ça. Pour l'instant, ça a l'air de bien se lancer. Il tape dans le muret. Ouais, mais enfin, j'ai pas. Y'a pas de. Mes optiques de tir sont abîmées. Ah, flûte. C'est dommage. Déjà, comparé avec la munition en moins et de l'essence en moins, avec les optiques de tir abîmées. Mais bon, c'est pas grave, l'empereur protège. Oui. Il y a une fumigène sur notre droite. Je sais pas s'il y a un de eux. Vas-y, avance, on va peut-être protéger sur la droite. C'est parti. Ah, il y a du monde sur la gauche aussi. Ah, pour profiter. Ah, je vais mettre au milieu. Ouais, c'est ça. On va mettre un bolter à gauche, un bolter à droite. C'est ça. Mip mip, motherfuckers. Ça vous convient? Ouais. On va gérer rien sur la gauche. Je sais même plus quel bonbon on est. J'ai regardé sur la droite. J'ai aucun signe ennemi sur la droite. Ok. Yeah. Ok. Il y avait un connard d'or qui tirait à l'aveugle. Mais... je pense qu'il est mort, c'est là. On prend la progression? Ouais. Faites juste ça de dire à l'infanterie de checker vite fait en avant des barricades. J'ai l'impression qu'il y a encore un nombre de vivants qui est tout ça. Cardocus, s'il tient un peu de temps à vous.
Ah bah, faut bien que je regarde avec quelle peau. Bien reçu, garde, juste terminé. Vous avez entendu ou pas? Non. Non. Bon bah alors l'assaut qu'ils ont lancé, il a raté. De quoi les gars à l'ouest ça? La mission n'a pas changé, on va continuer. Ok. Jusqu'au canon, mais on doit pas faire jonction, faut qu'on aille jusqu'au canon. Ok, on soit ainsi. Bon attention, on a de nos copains en face. Attends, je vais prendre la radio. Toute l'infanterie, on va tourner sur la gauche, alors ne vous pas sur notre passage. Bah, les orques qui reviennent en face. Ouais. Alors, comment est-ce que j'ai passé, moi? So, bonne question. Je descends, hein. Alors, attends. Bah, attends, au moins, tu l'as... Quel est... Sur la gauche, ça passera pas, je pense. Sur la gauche, que ça bloque. Recule. Tu es coincé, là? Ouais, sur la gauche, t'es coincé sur la gauche. T'es sur la... T'es encore à gauche que ça coince. Si ça coince. Ah, ça a l'air bon. Une fois là. On voit un gars dans le reste des points. Ouais. Je crois qu'il y a un truc qu'on prend la progression. Bon, bah, ils sont partis chercher les bleus, fait qu'on les attend. On va attendre un peu. Ouais. Je suis à l'abri des bâtiments. Ah bah y'a des orques en face. Ouais, orques en face. Tu veux que je m'angle un peu? Ouais, je veux bien. Merci. Avec plaisir. Ouf. Ha. J'ai vu partir en morceaux celui-là. C'est un dos de marin. Hein. Ouais. Il y a un P. Il y en a. Oh putain! Oups! Yatata! Bon bah, je demande une révision pour les obus. Mais j'ai une claquée. France qui avance, ce serait peut-être pas mal qu'on les accompagne. Ouais, avance, ok. Orque à l'avant, couche près du bâtiment. En plein dedans. Je mets mon stand-by, je m'angle à gauche. Ouais. Bon, je vais laisser l'infanterie, je suis là. Ah, peut-être pas, attends. Ça tire à droite, non? Je vais regarder à droite. Vas-y, avance-toi. Alors ? T'as rien là-bas ? Non, j'ai rien. Bon. Je pense que ça va se battre sur le point derrière nous, mais bon. Sinon, ça se battra toujours, hein. Faut qu'on aille au canon. Avance, un peu. Et on a... Comme ça ? Ouais, j'arrive pas à le voir, mais de l'autre côté de l'arche, sur notre droite, il y a des zombies. Ouais, c'est celui qui arrive par l'autre côté, je pense. Il y a du checkpoint. On va attendre en stand-by avec l'infanterie, je pense, de toute façon.
Ah, pas falloir trop traîner non plus. Ouais. Ça va, on n'est pas aux pièces non plus. On peut... il reprend la progression tranquillement. Bon, c'est parti. Infanterie, on reprend la progression. Fortification devant. Ouais, fortification, il est pour appuyer. Je vais le mettre à la jonction, comme ça on verra si on va à droite ou en bas. Ouais. Bah, en fait, c'est lequel signe pour le canon frontal, c'est une triangle, c'est tout. Ouais, c'est vrai, ça c'est quoi la position pour le canon orbital? Je crois que c'est le triangle, mais. C'est peut-être le triangle, ouais. Bon. À droite, est-ce qu'on peut y aller? À quelle direction par rapport à nous? Non, après nous qu'il y a des ennemis. Ah bon. À droite, on m'a dit qu'il y a des ennemis. Barricade avec plein d'or. Affirmatif. Tu vois nos 11h. Enfin, plutôt ouais. À nos 10h. Ouais, bon, les échafaudages. Ah, c'est l'autre bord. Pas avec le blindé. Ok, manœuvre avec le blindé. Non, on peut pas être deux. On a la batte. De toute façon, là, on a pile poil. On a pile poil avec la jonction, donc soit on monte en haut. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on attaque la structure C'est mieux de s'en débarrasser étant donné que la personne de que l'autre ingénieur soit là, c'est lui qui prend limite le plus de carambule. Question qu'on se les bouffe pas tout. Bon, dans ce cas, c'est-à-dire qu'on prend à droite quoi. Ok, va pour la droite. On va se mettre face à la fortification. Yes. Ouais. Bah, c'est parti. Hein. Du lourd qui canarde là. Ouais. Je sais pas ce qu'il leur tire dessus, mais. Comme une fusée où l'ouest avec le trading. Bien reçu, on va s'en occuper. Là, c'est à notre gauche. Là, on va droit nord. Un peu, s'il te plaît. À vie. Merci. Avec plaisir. Oui. Mouvement en face. Non, j'ai le calon qui est devant. Ouais. De l'autre côté du murage, j'ai vu un orc qui bouge. Voilà, pour nous, ça aurait été impossible de passer là, mais au moins. Ok, la sorte. T'es sûr, non, je crois qu'on peut passer, hein. T'es sûr? T'as que ta gauche, apparemment, là-dedans. Ouais. C'est pas sur la porte que t'as tiré, là? Non, non, c'est bon. Non, c'était des orques. J'ai confondu le sens d'arrivée des lasers. On va aller voir à gauche, on peut passer, déjà. Je pense qu'entre les barricades, je me demande s'il n'y a pas un passage. On va voir de toute façon. Ça va être 20 heures pour ça. Allez, je me manque là.
Alors que Forte un tour de gauche. Ouais. Tourne le bolter. Bah, dans le pire des cas, c'est de la chiassure. On peut le. Je vais pas le rapprocher. Mais théoriquement, c'est une que. C'est une des merdeurs que. Ouais. On roule dessus. Ah mais tu sais. Oui, je sais, Arma. Sur la on va se mettre à intersection. Ouais, pour couvrir leur flanc. 24, tu pourras avoir derrière. Hein. Tu pourras avoir derrière ouais. Et aussi, mais tu proche. Ok. On est très haut quand même. Ouais, juste derrière la barricade. En face. Ouais. Vroom vroom, pouet pouet. Le dos, c'est... C'est bon sur la gauche? Tu vois tes yeux d'elfe? Je vois la barricade en face. J'ai plus de là d'avoir grand orc. Du moins au niveau du sol. On passera pas, sauf si on arrive à casser les trucs. Non, bah. Sur passeport ou passeport autre part, hein, c'est pareil. Par la gauche. On peut passer par la gauche. Si on passe pas. On peut prendre à gauche, à droite. L'infanterie, elle pourrait continuer par là. T'es sûr que tu vas rosser son infanterie? Ça serait une connerie, mais vu qu'ils sont quasiment rendus, c'est qu'ils se font dire. Elles se font tirer dessus, non? À 12h. Je crois qu'ils l'ont fumé, j'ai vu une flopée de laser partir. Ouais. Bon, je préfère l'infanterie qui va passer par la gauche. Ouais, de toute façon, pas trop le choix. Infanterie, ici blindée. Nous, on va être forcés de passer par la gauche. Vous pouvez nous couvrir ou pas? Oui. Bah, logiquement. Ouais, y'a le canon. C'est. Par là? Ah, bah. Nous, on n'a pas le choix de faire le contour, d'après moi, vu que. Armand. Ouais, après. Bah, j'ai presque envie de tester, mais ça me tente pas de perdre de blindé pour ça. Oh, si ça tire trop, on repart en arrière. Moi, ouais, c'est vrai. On pourrait tirer un oubli dedans. Aussi. Non mais au pire on prend à gauche vite fait et puis voilà. Oh, on verra bien comment ça se passe. Voilà. On prend le risque. De toute façon ils ont l'air d'être occupés donc Ah. Bon. Ouais. C'est parti. Le Monoros depuis quand les orques détruisent ça. À part quand ils sont 20 000 dessus. On en reparle des deux des Monoros qu'on a croisé tout à l'heure dans le col. Ah bah c'est ça aussi. Mais bon, l'empereur protège. C'est ça, l'empereur guide. J'ai suivi la route histoire de faire des angles propres pour avoir les couvertures avec les canons latéraux. Allez, on vire. Et je passe sur le camp de face. Ouais, c'est pour ça que je reste sur le canon principal. Ouais, moi je navigue entre les trois autres. Hein.
Surtout qu'elle a la job la plus chiante. Ouais. Parle pour toi, c'est pas toi qui conduis un truc hors proportion. Non, ça va, c'est pas un titan non plus. Hein. Non, c'est sûr, mais bon. Bah, le titan, il a remonté ses buildings. Heureusement que les rues sont relativement dégagées, hein, parce que putain, pour passer avec les manos, bonne chance. Attention, on arrive à un carrefour. Les ennemis sont à droite. Je vois les alliés qui passent. Je réangle. Je fais quoi? Je me mets à gauche pour couvrir la gauche ou je reste là? Bah, comme que la voie principale vient du nord, c'est vraiment mieux d'aller se coller proche de la porte. Ok. Mais je sais pas trop pour le coup. C'est ça, moi. Ah si, vas-y, si tu te mets. Sur les barricades? Ouais. Si tu te mets sur la droite des barricades. Ok, c'est parti. Je vais voir si avec le bolter lourd, ça sera assez ou pas. Regardez pour savoir. Ok, elle est entre la barricade et les arbres. Comme ça, on garde les espèces. Ça vous va comme ça? Ouais. Ouais. On pourra changer plus tard, mais pour l'instant, ça va le faire. Ok. Jette un rapidos pour regarder un peu les alentours pour plus tard. Ouais. Je reviens dans 30 secondes. Ça va, on a la barricade là, tu vois. On a une barricade là qui bloque l'artère principale là. Donc, ouais, on pourra passer là. Ici, ils peuvent venir. Là-bas, il y a une autre barricade. En face, blindé. Allez, prends ça. Ça a pris de peau verte. Ouais, ils arrivent en face. Ok, tu peux avancer un peu. C'est parti. Ouais, si t'arrives dans la rue à gauche, je peux les avoir. Comme ça. Ou un peu plus de l'autre côté. Non, c'est bien là. Ok. En venir devant eux. On n'aura pas vraiment de position avantageuse pour le coup, c'est dommage. Non, bah. De toute façon, il leur faut combien de temps ces connards pour mettre en route le canon orbital? Bah, déjà, il faut que le deuxième soit d'eau. Je prie dans le QG qu'on atteint le canon orbital. Caradocus ici, 8ème peloton. Hein. Nous avons atteint le canon orbital. Allez toi. Mais bordel, je peux pas rentrer dans le bâtiment, je me suis réveillé, j'ai tenté de à nouveau, je me reçus plus un mur invisible. Allez toi Cadien. On n'aura pas de deuxième servant. Ça a marché. Oh, allez toi. J'ai réussi à rentrer. Cada. Enfin. Cada. Bien reçu. Donc, ils nous ont dit d'essayer de voir si l'artilleur peut le mettre en marche tout seul parce que l'autre servant il est pas prêt d'arriver. Là, le foutage de gueule. Ah mais faut être deux pour remettre le canon orbital en état. Ah bah vous en avez qu'un. Et là, c'est du commandement ça.
Par contre, on fait quoi? On fait demi-tour pour aider les autres derrière ou... Je vais voir courir vite fait s'il n'y a pas un passage pour les noirs autrues. Ouais, et puis il va falloir prendre une position défensive, c'est ça et certain. Si on passe par là. Ouais. Si on passe par là et après on tourne à droite. Ouais, comme ça on se met en face des trucs. Ouais, ça se tente, allez. Q, t'as entendu la communication du QG? Bah, faut que ce soit notre Saran qui le remette en marche, parce que j'ai pas l'impression que tout ce qui va arriver. Ouais, amène-le jusqu'à sa console. Regardez où ça passe. Attends. Recule un peu. C'est sur la gauche, t'es trop Okay. Tu passes plus par la droite. Oui. On a des gros problèmes, on est à court de munitions, c'est la dernière. Y'en a dans le blindé. Y'en a dans le blindé. Okay. C'est justement ça que j'allais vous annoncer. Bon, on va essayer de manœuvrer et se mettre en place. Fais attention, il y a quand même un repos. Fais quoi, j'attends ou j'y vais? Bah moi je vois pas, fait que... Attends, je descends là. On est bien là, non? Je pense qu'on est pas mal. Blindé, je suis juste à côté de vous, je prends des munitions. Ouais, vas-y, je bouge plus. T'as entendu, ok, c'est bon pour les munitions, je m'écarte. On vous laisse le blindé un peu, le sortir. Non, vas-y. Bleu, vous êtes censé monter, Q, c'est tout seul. Ok, Q, s'il avait besoin du médic. Quoi? Montez cru, c'est le deuxième étage. Ouais, je vais avancer. En me présentant à la gauche. Ah, okay. Vous ouais. Je viens juste en décalant un peu sur la. Ah ouais. T'avances un peu sur la droite. Comme ça, c'est arrivé. Pour le moteur lourd de gauche, je vais voir. Ouais, c'est déjà un peu. Ouais, ok. On va y comme ça alors. Non, mais bon, faut faire des forts quelque part. Ouais. Je préfère à là que tout à l'heure entre les ouais, fortifications parce que. Ok, chef. Bon, pour l'instant, j'ai cassé l'angle mort. Et ça va, c'est le bâtiment qui est juste devant nous. Enfin, un peu sur notre bouche. Ouais.